Le papa du lion, il a une crinière. Le papa de la taupe, une taupinière. Le papa de l'araignée, un fil dans le derrière. Mais toi, mon papa, t'es bien mieux que tout ça. Le papa du rôti rôti dans la cuisinière. Le papa du tapis est tout plein de poussière. Le papa de l'ampoule brille, il fait de la lumière. Mais toi, mon papa, t'es bien mieux que tout ça, 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 que tout ça. Car c'est bien toi mon papa, le roi des papas. Pleure pas, des papas comme toi y en a pas plein sur la planète. Oui c'est bien toi mon papa, le roi des papas. Pleure pas, mauvais tas de papa. C'est aujourd'hui ta. D'accord. Essayez de le retenir parce que ça me vient plusieurs fois dans la chanson. En même temps, la fête, c'était dimanche. Vous avez acheté des trucs? Bon. Vous me les donnerez après. Alors, oui, il y a aussi d'autres papas dans la vie, par exemple. Le papa du café est dans la cafetière. Le papa du tabac dans la tabatière. Le papa de mon crayon est chez la papapetière. Mais toi mon papa, t'es toujours avec moi. Le papa du martien voyage dans une soupière. Le papa des morts vivants, il peut vivre sous terre. Le papa de Superman sauve tout l'univers. Oui peut-être, sauf que voilà, ils n'existent pas. Cherchez pas les enfants, ils n'existent pas. Il faut rester avec votre papa, il n'y a que celui-là. Car c'est bien toi mon papa, le roi des papas. Pleure pas, des papas comme toi y en a pas plein sur la planète. Oui c'est bien toi mon papa, le roi des papas. Pleure pas, comme est à toi papa. C'est aujourd'hui ta... Pas mal. Si le papa des poissons peut respirer sans peine dans l'eau, eh ben ton papa, toi là-bas, c'est le roi du pédalo. Si le papa des gorilles est encore plus fort qu'un turc, eh ben peut-être bien que ton papa, toi là, eh ben il trouvera un truc. Ou il appellera ta mère, qui trouvera un truc. Un ananère. Où est le tournevis? Où est la pince à linge? Où est le truc? Bon, c'est bon. Le papa. J'ai fini là? Non. Il y a encore un petit bout. Le ministre. Ah oui, le ministre. Oui. Le papa du ministre travaille au ministère. Le papa des Mongols dans sa montgolfière. Le papa de ma voiture marche au super. Mais toi, mon papa, t'es bien mieux que tout ça. Le papa de la police a une mitraillette. Le papa de l'Esquimau, un beau frige. Vincent, montgolfière, ministère, tabatière, on dit mitraillère. Il est malade. Vous ne trouvez pas qu'il est un petit peu... Hein? Qu'est-ce qu'il dit en fait? Il faut que je fasse quoi? Attendez, on m'explique devant ce qui se passe, si vous permettez un instant. Oui, qu'est-ce qui se passe? Oui, d'accord, oui. C'est ça? Oui, c'est ça. Bon, je retire le « et » de mitraillette et je mets « r » ça. Mais il faudra que j'en fasse quelque chose du « et ». Bon, je le mettrai après. Le papa de la police a une mitraillère, c'est ça? Le papa de l'Esquimau, un beau frigidette. Le papa du calcul, une calculaire. Mais toi mon papa, Car c'est bien toi mon papa, le roi des papas. Pleure pas, des papas comme toi y en a pas plein sur la planète. Oui, c'est
sais bien, toi, mon papa, le roi des papa pleure pas, gros bêta de papa. C'est aujourd'hui ta. D'accord, donc on va le refaire vitesse normale. Je vais faire d'abord un petit gag pour les adultes, pour qu'ils se sentent pas oubliés dans la chanson. Autobus, autobus, autobus. Bon, d'accord. Car c'est bien, toi mon papa, le roi des papas pleure pas, des papas comme toi y'en a pas, un sur la planète, oui c'est bien, toi mon papa, le roi des papas pleure pas, gros bêta de papa. C'est aujourd'hui ta encore. Toi mon papa, le roi des papas pleure pas, des papas comme toi y'en a pas, plein sur la planète, oui c'est bien, toi mon papa, le roi des papas pleure pas, gros bêta de papa. C'est aujourd'hui ta 1. C'est aujourd'hui ta 2. C'est aujourd'hui ta 3. C'est aujourd'hui ta 6. C'est aujourd'hui ta 1. C'est aujourd'hui ta 2. C'est aujourd'hui ta 1. C'est aujourd'hui ta 7. Bon, on va faire une autre chanson quand même, hein. Celle-là, ça va un peu. Vous pouvez applaudir très fort. Et dire que ce n'est que la première chanson, il y en a 200. Vous vous rendez compte, on n'est pas sorti. Alors, de toute façon, ça va sonner, je m'arrêterai, hein, c'est toujours pareil. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un papa dans la salle? Il y a un papa ou non? Où il est? Ben, montrez-le-moi, voir, il est où? Oh, un joli papa! Je ne suis pas tombé sur du papa de crotte. Bonjour, comment t'appelles-tu? Je t'appelle Alain. Alain, tu peux te mettre au bruit, s'il te plaît, j'ai personne. C'est Alain, vous pouvez l'applaudir, l'encourager. Moi, ce que je vous propose, je regardais là le menu, mais comme il faut bien habituer le bruiteur à faire des bruits, je propose qu'on commence par une espèce d'ambiance pas trop compliquée, ambiance western, si ça vous va. Donc, ce que tu peux peut-être faire, c'est faire des bruits de chevaux, au loin, quelques hennissements, des coups de feu, et puis on démarre. On y va. Chut, écoutez.